process. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que je mange dans la journée et j'ai décidé de mettre un accent sur les protéines parce que je sais que parmi vous, il y a pas mal de sportifs qui me suivent et d'autres un peu moins, mais c'est pas grave, je pense que ça peut intéresser tout le monde. En parlant de sport, je viens de rentrer de la salle et je vais aller prendre mon petit déjeuner. J'ai préparé ce petit déjeuner la veille et c'est une expérience. J'ai très hâte de goûter et j'espère vraiment que je serai pas déçue. Aussi, j'ai décidé de vous montrer mes favoris du moment. J'ai fait pas mal de petites découvertes sympas dernièrement et je me disais que ça pouvait peut-être vous intéresser. Ça sera un petit peu plus tard dans la journée. Là, j'ai super faim, donc je vais aller prendre mon petit déjeuner. Donc, à de suite les amis. Avant tout, je tenais à remercier la marque de mode éthique Organic Basics pour avoir sponsorisé cette vidéo, mais pour l'instant, place au petit déjeuner. Du coup, pour cette fameuse expérience que j'ai faite la veille, j'ai voulu tester un porridge à la texture mousseuse. Je sais que ça peut paraître un peu étrange, mais ça fait un moment que je voulais tester, et du coup j'ai simplement placé les mêmes ingrédients que pour mon porridge habituel dans un blender. Comme d'habitude, je rappellerai toutes les mesures exactes en barre d'infos. Et une fois que j'ai bien mixé, j'ai décidé d'incorporer ces protéines en poudre qu'on m'avait envoyées et que j'avais dans le placard depuis un bail. Je n'osais pas les utiliser parce que j'en gardais un souvenir horrible de quand je jouais au tennis. Mais je voulais vraiment leur donner une deuxième chance. Du coup, je suis partie sur deux parfums, saveur mocha et saveur vanille. J'ai divisé le porridge en deux. J'ai incorporé une cuillère à soupe de protéines dans chacun. Pour la version mocha, j'ai rajouté une cuillère à café de cacao maigre parce que j'ai envie que ce soit encore plus chocolaté. Une fois que j'ai bien incorporé au fouet, j'ai laissé poser toute la nuit au réfrigérateur. Et sincèrement, le résultat était vraiment top. Je pense que la poudre de protéines y est pour beaucoup dans la consistance. Ça épaissit pas mal et cet aspect mousseux est vraiment présent. C'est pas non plus une mousse super ferme, mais j'ai trouvé ça top. Je me suis servi les deux parfums dans un verre que j'ai accompagné de bananes, de fruits rouges décongelés et de beurre de cacahuète. Vu que ces quantités sont pour deux personnes et que ce jour-là j'étais seule, je me suis gardé le second pour le lendemain. Et voilà les amis, les deux parfums étaient vraiment délicieux. Dites-moi si vous voulez que je teste plus de recettes avec des protéines en poudre. En tout cas, ce porridge mousseux, ça va devenir un incontournable chez moi parce que j'ai vraiment apprécié. Pour le déjeuner, j'avais des pleurotes sous la main qui font partie de mes champignons préférés. Je les ai simplement lavés et taillés en morceaux de taille égale. Ensuite, je les ai placés sur une plaque recouverte de papier de cuisson. J'ai ajouté un filet d'huile d'olive, un filet de sauce soja. Celle-ci, c'est une version sans gluten, il me semble, à base de noix de coco, mais la sauce soja classique, c'est parfait. Un filet de crème aux réductions balsamiques. Je finis par émietter un demi-cube de bouillon de légumes par-dessus. Je malaxe le tout avec les mains pour que ce soit bien distribué, et c'est parti pour une cuisson au four à 200 degrés pendant 20 à 25 minutes. Je m'acharnais toujours à faire les champignons à la poêle, mais finalement des champignons rôtis c'est tellement mieux. La texture est parfaite, ils sont caramélisés et c'est beaucoup moins contraignant. Ensuite, j'ai fait toaster deux tranches de pain aux graines. Je suis venue étaler ce houmous que j'avais acheté en magasin bio et qu'il fallait absolument que j'utilise. J'ai disposé les champignons rôtis par-dessus. J'ai fini par un petit filet de réduction balsamique et j'ai accompagné ces toasts d'une salade que j'ai saupoudrée de graines et de cranberries séchées. Ces toasts les amis, c'est une tuerie. Même si le houmous n'était pas fait maison, il était super bon et en plus c'est pratique, c'est riche en protéines, tout comme ces graines qui en plus contiennent des bonnes matières grasses. Une fois ces bons toasts terminés, place aux favoris du moment. Je vais commencer par les vêtements éthiques Organic Basics. Je vous avais déjà parlé de leurs vêtements de sport dans une autre vidéo, mais en fait ils ont surtout une large gamme de basiques pour la vie de tous les jours. Ça tombe bien, j'ai une garde-robe assez minimaliste et je privilégie vraiment les pièces classiques qui vont avec tout. Ce t-shirt manche longue en coton bio est l'exemple parfait, ça va avec absolument toutes mes tenues. Et niveau qualité et confort, c'est le top. J'ai également un énorme coup de cœur pour leur body en nylon recyclé. Je pense que je vais le commander en plus de couleurs parce que je trouve ça hyper pratique. Je le porte sous des pulls, sous des chemisiers car il est invisible et il est tellement confortable. Quand il fait froid, je fais la même chose, mais j'opte plutôt pour ce col roulé qui est comme une deuxième peau, portée seule, sous un pull ou une chemise. Et bien sûr, une des choses que je préfère, c'est leurs sous-vêtements. Tous mes sous-vêtements de sport viennent de chez eux, et cette ligne plus habillée est tout aussi sobre et épurée. Pour info, c'est du Tencel, qui est une matière écologique produite à partir de fibres de bois. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous laisserai un code promo en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil.
Maintenant, côté alimentaire, ce que j'ai découvert récemment, enfin pas tout à fait récemment, je connaissais déjà, mais j'avais un gros a priori dessus, la pâte de date. En fait, pour déguster comme ça, évidemment, je préfère mille fois les dates Medjool, mais pour tout ce qui est granola, energy ball ou pâtisserie, c'est tellement plus simple et économique. Il faut juste faire un peu attention au niveau des marques, certaines contiennent du sirop de glucose ou des conservateurs. Celle-ci c'est 100% date, je la trouve à Auchan, c'est moins de 3€ le kilo et le résultat au niveau des préparations est identique. Ensuite, vous savez que je suis une grande fan des tofu de la marque Typhoon. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je m'amuse à goûter différents parfums. J'ai récemment découvert le parfum pizza et mon dieu, qu'est-ce que c'est bon. La texture est bluffante et le goût c'est vraiment de la pizza mais je sais pas, je saurais même pas le décrire en fait. Et celui-ci, vous le connaissez déjà, c'est le tofu à la japonaise que je consomme depuis super longtemps parce que je n'ai pas réussi à mettre la main sur le Black Forest qui est incroyable mais il doit être victime de son succès parce que je ne le trouve nulle part. Ensuite, il y a quelques semaines avec mon copain, on a découvert cette chose qui est la confiture à la banane. On la trouve au magasin bio et ce qui est top, c'est que c'est 100% issu de fruits, donc pas de sucre ajouté. Il sucre simplement avec du jus concentré de raisin, entre autres, et dans une crêpe, dans du yaourt ou même seul, c'est complètement addictif. Pour ce dernier coup de cœur alimentaire, le soja de framboise passion, que ce soit la texture, le goût, je pense que c'est le meilleur yaourt végétal que j'ai jamais mangé. Pour mes autres coups de cœur, il y a ces bols en noix de coco que j'ai déjà depuis un petit moment, mais vous êtes toujours très nombreux à me demander où est-ce que je les achète, et en fait c'est mon joli bol qui me les a envoyés, et j'en suis super contente, que ce soit la qualité, l'esthétique et l'entretien. J'ai aussi trouvé ces pailles en bambou parce que je pars très bientôt en voyage, je risque de boire beaucoup de jus de fruits et de smoothie, et du coup ça permet d'avoir une paille qu'on peut laver, réutiliser. Au Mexique j'avais pris les pailles en verre que j'avais déjà, mais franchement c'était pas très pratique niveau transport, et je ne suis pas très fan des métalliques, je trouve pas ça très agréable. Et du coup je les ai trouvées en magasin exotique à côté de chez moi. Dernier favori qui a son importance, c'est la vitamine B12. Je me complémente tous les jours depuis que je suis végane et normalement je prenais celle-ci, c'est à prendre quotidiennement. Il y en a qui y pensent, moi je vous avoue que ça m'arrivait quand même des fois d'oublier, donc j'ai récemment découvert celle-ci qui est à prendre tous les 15 jours. C'est une aubaine pour moi, en tout cas je ne suis pas un expert en la matière, donc je vous laisserai toutes les informations à propos de la B12 en barre d'infos. Pour continuer sur cette journée, plus tard dans l'après-midi, j'ai été boire un café avec une copine. On a commandé des cafés latte au lait d'avoine, une valeur sûre. Une fois de retour chez moi, j'avais pas super envie de cuisiner, et du coup je suis partie sur ces pâtes aux lentilles corail qui sont très riches en protéines. Une fois qu'elles étaient cuites et égouttées, j'ai ajouté un petit peu de sauce tomate que j'avais dans le frigo. J'ai également ajouté quelques jeunes pousses de chou frisé ou chou kale. C'est hyper riche en vitamines, en antioxydants, par contre je trouve que la plante adulte est très dure à mâcher. Les jeunes pousses elles sont beaucoup plus tendres et du coup je les incorpore aux pâtes, je couvre et je laisse poser 5 minutes pour qu'elles soient encore plus tendres. Je les ai servies avec le reste de champignons que j'ai préparé à midi et que j'ai refait chauffer. La fin du pot de houmous et s'il vous plaît, ne jugez pas, si vous n'avez pas encore goûté les pâtes avec le houmous, faites-le, ça vaut vraiment le coup et d'ailleurs j'en ai rajouté un peu plus mais malheureusement c'était la fin du pot. Tout comme la fin de cette journée, j'ai simplement fini par un peu de yaourt nature avec cette fameuse confiture à la banane. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous refaites une de ces idées, n'hésitez pas à prendre une photo et à me l'envoyer sur mes réseaux sociaux. Je remercie encore une fois Organic Basics d'avoir collaboré avec moi dans cette vidéo. Pour ma part les amis, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite, ciao!